Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Evoland 2 comme d'hab. On a réussi, je suis super content, on a réussi à trouver un endroit. Alors je sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut faire, je sais pas si ça va vraiment nous apporter quelque chose. Ah, bien ça, de la mana. Mais en tout cas, on a réussi à atteindre la truc gelée. Et là, il y a un magiste, ce qui fait qu'on peut changer d'époque. Mais on sera déjà sur le truc gelé. Donc pour moi, c'est déjà une victoire. Parce que pour moi, ça apporte déjà un truc qu'on n'avait pas avant. Voilà, il y a un nain. Comment avez-vous fait pour arriver jusqu'ici? Je suis Olaf, le dernier des Vikings. Mon peuple a disparu. Les océans ont englouti notre village. Qu'avons-nous donc fait pour nous attirer la colère de la grande tortue? Ah, c'est tout? Là, il y a un truc à casser, là, non? Ça, c'est à péter, ça, je suis sûr. Non, pas du tout. D'accord. Donc là, déjà, on va voir ce qu'il y a à faire ici, avec cette époque. Absolument rien. Alright, je peux pas péter. Alors. Enfin, péter des trucs, je veux dire. Vous avez compris. Si je mets de la glace sur la glace, je suis pas sûr que ça soit très utile. On va changer d'époque. Je suis confiant. Je suis confiant pour l'époque moche. Je pense que ça peut apporter quelque chose. Alors, le Wiking. Il n'y a plus rien là du coup. Donc là, on est dans le passé-passé, hein. Il n'y a pas de musique. Il n'y a plus rien. Ah! Ah, on atterrit directement là. Ok, d'accord. Je m'y attendais pas. Et du coup, il y a le village. Ok, intéressant. Interesting. Village viking. J'y glisse pas, c'est rigolo. Il est rare de voir des étrangers par ici. Vous êtes arrivé par le tunnel sous l'océan? Vous n'avez pas les têtes de troll pourtant. Ah oui. Un nouveau village, plein de PNJ. Vous ne serez pas considéré comme un guerrier viking avant d'avoir terminé votre stage d'initiation. Et nous ne vendons nos armes qu'aux véritables guerriers. Ah mince. Eh ben, je sens qu'il va falloir faire ce stage viking. Nous autres Vikings sommes nés pour combattre et vaincre. Nos enfants s'entraînent dès le plus jeune âge pour devenir de grands guerriers. Seuls ceux qui sauront montrer leur courage à la grande tortue obtiendront les vies infinies. Ah ouais, c'est bien ça les vies infinies. Moi j'aime bien ça les vies infinies. Je supervise la suite des travaux de construction du tunnel. Il faut faire attention à ce qu'il ne s'écroule pas. Nous perdrions des années de travail. Ah oui. Oui, mais oui, mais Wiking sont tous des paysans en fait. Ce sont des paysans Wiking. Des hérétiques ont un jour affirmé que la grande tortue ne portait pas le monde sur son dos, mais habitait au fond des océans. Ah 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 ah! Au fond des océans, avec les poissons. Nous les avons tous massacrés. Les dieux nous ont laissé faire ça. Les dieux nous ont laissé faire. Ça veut donc dire que nous avions raison. Ouais. La raison de celui qui tue est toujours la meilleure. Au commencement des temps, notre pays était entièrement recouvert d'eau. Mais le dieu Magi a créé la glace sous nos pieds pour que nous courions. Et il a aussi créé la grande tortue pour nous guider. Ouais, ok. Donnez-moi les armes. Notre chef se prépare pour le tournoi annuel. Vous pourrez l'affronter si vous remportez suffisamment de matchs. Pour vous inscrire, allez voir le comptoir. Ah oui, je vais faire ça. Il y avait un coffre, je l'ai vu. Badabadabadaba. Oh, encore! Putain, j'en ai deux. Qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? Vous voulez passer par le tunnel? Il vous faudra l'autorisation de l'ingénieur en chef. Il doit être chez lui à cette heure-ci. Ah ouais. Ah bah c'est qui lui? D'Exterminator? Vous? Ici? Quelle coïncidence! Après votre spectaculaire évasion au Colisée, j'ai été licencié. Ah mais c'est l'annonceur. Je dois avouer avoir traversé une courte période de dépression. Mais merci! Finalement, grâce à vous, j'ai trouvé ma voie. J'ai décidé d'explorer le monde et de rapporter le récit de mes voyages à la bibliothèque impériale. Ce sera l'œuvre de ma vie. Les voyages de Largo le Grand. C'est tout? D'accord. Bah, c'était bien. Bonjour! Vous voulez vous inscrire au tournoi Wiking annuel? Oui. Désolé, les inscriptions sont réservées à ceux qui ont terminé le stage d'initiation. Ah ouais. Faut que je trouve le moyen de faire le stage d'initiation. Il y a une pancarte là, je peux pas la lire. C'est raciste.
C'est raciste. C'est Balin, fils de Fruldin, fils de Farin, fils de Morin, qui a lancé la construction du grand tunnel. C'est un visionnaire. Il a compris que la grande tortue reconnaîtrait notre courage si nous massacrions tous les habitants du continent. Sans le grand tunnel, jamais nous ne pourrions sortir d'ici. Les montagnes de glace sont infranchissables. Ouais, ouais, c'est bien toutes vos histoires de merde, mais moi je m'inscris au truc là. Blablabla. Je veux faire le stage d'initiation. C'est toi. Mon fils vient à peine de rentrer de son stage d'initiation. Il a vaincu les trolls des cavernes, il était temps. Il a déjà 6 ans, vous savez. Il faudra qu'il fasse plus d'efforts pour devenir un grand guerrier et obtenir des vies infinies. Putain. Mais. Je veux m'inscrire au truc. À qui je dois parler là? Je vais tout casser. Enfin, gros tas va tout casser. En fait, je suis sûr que c'est pas là. Je suis sûr que c'est pas là et qu'en fait, il faut encore que j'aille ailleurs et c'est chiant. Il y a un autre endroit où, où je suis pas allé. Non. Je peux aller nulle part en fait. Parce que là, ça donne rien du tout. Il n'y a pas un. Il n'y a pas une caverne en fait. Il n'y a pas de caverne là. Il n'y a pas de grotte. Il n'y a pas de passage. Est-ce que ça me sert à rien? Je suis là, mais ça sert à rien. Attendez, est-ce qu'on serait pas recoincé encore? Non, parce que non, enfin, non. Clairement, non, ça va pas aller là. Ça va me faire commencer à me casser des noix là. Est-ce que je peux faire de la glace? Pas du tout. Non, ça va commencer à me faire chier là, vraiment. Je veux m'inscrire au machin là. Je peux m'inscrire au truc d'initiation, je sais pas quoi. Ah, je vous donne mon autorisation à aller vaincre les trolls et vous pourrez peut-être vous inscrire à la tournoi annuel. Allez vaincre les trolls? Mais ils sont où les trolls? Il a dit qu'il me donnait l'autorisation. J'ai l'autorisation. Je peux y aller? Ah, je peux y aller, j'ai l'autorisation. Très bien. Il faut juste que je batte des trolls. Ça devrait aller. C'est pas si méchant des trolls. Aïe. De toute façon, je suis méga fort maintenant. Puis ça fait plaisir d'être dans une nouvelle zone avec des nouveaux trucs à faire là. Je commençais un peu à dépérir. Voilà. Oh, je vais vous mettre un truc dans la tête là, ça va vous faire mal. Alors j'aimerais bien que vous puissiez vous regrouper comme vous étiez tout à l'heure, c'était bien. Ok. Bon, je suis pas obligé de les battre. J'ai pas le temps. Aïe. Aïe. What the fuck? Ok, je les ai toutes eues un peu. Aïe. Ah mais ça fait hyper mal en fait. Je me suis fait bolos, c'est sa mère. Je pensais pas que ça faisait aussi mal ce truc. Oh merde, la haine quoi. Je me suis fait complètement bolosser. Bon, ça on va le laisser tranquille lui. Des cœurs. S'il vous plaît, des cœurs. Ah ouais. Ah ouais, des cœurs. C'est surtout... Si je vais devoir affronter des trolls, il faut des cœurs. Ah. Caverne de la Noria. Ah, cool, de la 2D. J'ai déjà entendu parler de cet endroit, si je ne me trompe. Ce sont les cavernes de la Noria. Les cavernes de la Noria? Oui, les cavernes de la Noria. Tu entends ça, Débilos? Les cavernes de la Noria? C'est quoi au juste les cavernes de la Noria? Ce sont d'anciennes mines. Jadis, des champignons du royaume Champignon y avaient établi un camp de vacances naturistes. En effet, la basse température et la forte humidité sont idéales pour ces êtres fongiques. Mais ils sont trop creusés et trop profonds,
et ils ont révélé ce qu'ils n'auraient jamais dû l'être. Le grand troll vicieux. Accompagné de son peuple troll, il a envahi les cavernes, et je préfère ne pas vous raconter ce qui est arrivé aux champis. Depuis, rares sont ceux qui se sont aventurés dans ces grottes, hormis quelques fous téméraires. J'aurais préféré ne pas avoir à passer par ici. Restez sur vos gardes. Ah ouais. Tu ne les laisseras pas me capturer, hein, ma bite ? Je n'ai pas peur. Des cavernes remplies de trolls, j'en visite tous les jours. Ah ouais, voilà des cœurs. Ah bah ça c'est gentil. Ça, c'est une chouette attention ça. Ça permettra de récupérer un peu de vie. Ah ta mère. Allez blop. Est-ce que je peux aller là-haut? C'est un troll. Pardon. Excusez-moi. Je peux pas aller par là. J'aime bien les faces comme ça. Je préfère les faces comme ça. Je suis un mec, je suis un ancien, moi j'ai besoin de ma dose de 2D, sinon je suis pas bien. Ouais, super. Spam. Aïe. Ouais. C'est quand même pratique de avoir une épée qui fait du vent. Aïe. C'est un peu cheaté, mais c'est pratique. Putain, mais il y a des cœurs tout le temps, c'est très généreux. Ça sent le coup fourré, mais c'est très généreux. Ouais, là, je sens que c'est une arnaque. Je sens que les pics me one-shot, mais je sais pas pourquoi. Non, je pense pas. Aïe. Bah, il faut quand même pas que je prenne des coups tout le temps. Ah ah. Donc du coup le royaume champignon ça doit être. Enfin le royaume champignon doit être truc de Mario. Et les mines de la Noria, bah évidemment c'est un Zano. C'est grâce à moi les cœurs. Bah oui, évidemment. On dirait que le pont a été détruit. Ah bah oui. À mon avis, il doit être possible de passer en dessous. Regarde cette jolie créature là. Hii. Les trolls m'ont trouvé. Prenez garde, ils sont cachés. Et sont très rapides. Ah bon? Oh, qu'elle est jolie avec sa peau rugueuse et son joli teint. Je suis sûr qu'elle plaira au chef. Mamite, ne laisse pas m'emporter vivante, je t'en supplie. Ah, je peux te tuer si tu veux. Moi, ce que j'aime bien chez elle, ce sont ses muscles bien développés. Quelle courbure, quelle délice. Je savais bien que toutes ces heures passées à la gym avaient porté leurs fruits. Oh, je te déteste. Allez, on l'attrape. Attention, mademoiselle cochonne. Les voilà! J'étais sûr qu'ils allaient prendre lui! J'en étais sûr! Quoi? Mais revenez! C'est moi la jolie créature! Je voulais dire. Vite la bite! Allons aider Grotta! Je ne veux même pas imaginer ce que le grand troll vicieux va lui faire! Ah oui. C'est une référence à Grandalf le pour dans les mines de la Noria. Mais oui, en fait. Ah merde. En fait, pour t'expliquer, parce que du coup tu débarques, mais Evoland est un jeu qui retrace l'histoire du jeu vidéo, plus ou moins, et qui est pourvu de plein de références de jeux vidéo, de films, de séries, de machin et tout. Donc voilà. Mais alors plein. Meurs, pourriture communiste. Oh, j'ai la flemme de tous les buter, quoi. Je suis pas obligé, donc c'est bien. Le jeu me laisse le choix, c'est gentil. Oh, je sais pas où. Et ça m'a one shot. Quoi? Enfin, ça m'a pas one shot, j'avais pris des dégâts avant, mais waouh, les dégâts. Mais attendez pas à prendre autant de dégâts quoi. Putain ouais ça fait mal les cailloux. Ah oui d'accord oui. Ah oui ça rigole zéro en fait. Ça me met super cher d'accord. Ok donc faut que je sois plus prudent en fait. Faut pas que je fonce comme un débilos. On parle de débilos. Je l'oublie tout le temps elle.
Ah, je me suis pris le truc. Ah, je me suis pris le truc. J'ai level up. C'est worth it. Ouais, ouais, ouais. Oh, what? Ça l'a pas touché. Il s'est protégé. Ah, attendez. Je vais recharger. Et je vais attendre qu'il fasse son truc. Ouais. Là maintenant. Ah putain, mais c'est. Il s'est coincé dans le mauvais sens. Il s'est coincé en défense. Du coup, je suis baisé. Putain, mais je vais pas faire ça tout le temps. Je vais pas tomber à chaque fois quand même. Je vais plus doué que ça. Putain, mais je suis trop près. Sa mère. Saute pas tout de suite. Mais. Ok. Ok, on est bien. On est yimbe. Ok. Ok. Quoi? Pourquoi je suis tombé? D'où je suis tombé? Il y avait un coffre là-haut. Ok. Ça passe. Hop. Hop. Là ça va en fait. Tant qu'on est comme ça, c'est bon. Hop là. Ok. Donc du coup là j'ai passé le pont en fait. Très bien. Juste passer par en dessous. Ah je sens mal là. Attendez. Vous montez. Ah mais c'est un troll ça. Moi aussi. Mais quoi? Mais... Ça je comprends rien. Ah putain, lui c'est un troll en fait. Bonne journée. C'est trop marrant. Aïe, faut que je save. Voilà, comme ça j'ai de la vie. Parce que là, si j'étais mort là, j'aurais mal pris quand même. Voilà, ah bah super, là, l'XP est tombé. Rendez l'XP. FDP. Ah ouais, mais ça rigole zéro. Le fun est absent. Ah mais d'accord, ok, on en est là. Donc le machin... d'accord, donc le... D'accord. Ok, non mais pourquoi pas après tout. Hein. Je veux dire, c'est tellement plus drôle quand, quand les plateformes se dérobent sous tes pieds, c'est... Ah, c'est, ça se mange sans fin, c'est super. Oui. J'allais te le dire. Voilà. Ok. Ok. Ensuite ça. Ok. Hop. Donc ça, ça se passe bien. Tranquille, formalité. Là, ça arrête d'être plus dur. Ah ouais, ça passe. Je peux attaquer comme ça. Donc c'est bien ça. Ça c'est pratique ça. Que je peux aller récupérer l'XP. Ouais. Ouais gros. Ok. Ah, est-ce que je peux descendre? Ça me mène à quoi? À rien. Donc ne descendons pas. What? Ah ouais. Ok, faut que je descende. Saute, saute, saute. Et il y a un point de sauvegarde en bas. What? Ils font mal les trucs là. Donc là, il faut sauter au-dessus. Non! Oh la haine, sa mère! Vous avez vu le troll du cœur qui est tombé dans, dans les pics, quoi? Mais arnaque! Mais il y a arnaque! Le truc se barre quand. Ah mais je suis saoulé. En fait j'appuie sur A pour sauter mais ça me fait sauter les plateformes. Eh putain mais ça se joue à que dalle parce que. What?
fuck, elles sont pas là. C'est bon. Ouais gros. Maintenant faut pas que je meure. Oh putain. Faut vraiment pas que je meure maintenant. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain, j'ai esquivé le truc mais au dernier moment quoi. Ok, on va passer par en dessous, c'est pas grave. Non, ça fait tellement mal. Il y en a un autre là. Oh, je l'ai eu. Salut Dragon Cookie, ça va? Vous êtes en vacances ou pas les gens en ce moment? Ou c'est YOLO Swag? Non, ça va one shot, t'es sérieux? Putain, je vais devoir tout refaire. Oh non, pas ce passage. Ok, je pensais pouvoir atteindre mais non. Du coup j'ai perdu de la vie pour rien, et du temps, et de l'argent, et ta mère. Et là ça va se dérober, putain de bordel de cul. Bon je suis aidé, j'en ai marre. T'es saoulé. Non mais je suis encore tombé, puisque j'avance. C'est bon. C'est bon. Non, 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 meurs toi. Oui je suis en vacances collégien. Ah ouais. Les collégiens ils ont des vacances. Je plaisante, évidemment vous avez des vacances. Vous bien vous reposer de vos journées incroyablement dures. Tasse la pute, il m'a tué. Putain j'ai encore sauté. Pourquoi je saute? Non. Non. Ouf putain j'ai failli faire trop tôt. Non mais je suis de locomotive. Je suis de locomotive sa mère. Je suis de locomotive. C'est bon. Ça, c'est, franchement, ça c'est le passage le plus dur. Maintenant il faut juste réfléchir et pas prendre trop de dégâts comme un débilos. C'est pas grave, ça ça fait pas trop de dégâts, ça va. Ça va, ça se passe. Il y a un cœur, hop, on récupère, très bien, deux cœurs, nickel, allez, hop, full life, presque, presque. Ok, ensuite il faut établir une stratégie pour tuer ces machins. Oh, je l'ai pris. Ouais, ouais, bien joué. Ok, maintenant il faut que j'attende. Je vais attendre. Je vais attendre 10 ans s'il le faut. Que ça se mette bien. Ok, j'ai le temps, j'ai le temps. Je sais que j'ai le temps. Là, est-ce que j'ai le temps? Ok, j'ai le temps. Non, parce que là, si je tombe, c'est la mort et je recommence tout, en fait. Donc, C'est bon, ça passe. Maintenant, il faut que l'autre, elle descende. Descende. C'est bon. On attend. On a le temps. Parce que là, il faut que j'attende que ça se calme bien. Ce qui arrive une fois tous les 10 ans, comme une éclipse. Hop. Voilà. Et là, la sauvegarde. Et ça fait du bien, gros. Et on est bien, on est yimbe. Ok, ok, on esquive, ok. Il y en a 3, c'est pas grave. Il y en a 4, c'est pas grave. Il y en a 50, c'est pas grave. Voilà, moi je suis un mec, j'esquive tout, moi. Moi je suis un bonhomme. Mais oui. Voilà, mon gars. Voilà, mon gars. Ah oui, mais en fait, ça a rien, jamais, fallait que je descende. T'es pas obligé de le battre. Ah ouais, c'est pas grave. C'est pas grave non plus. C'est pas, ça commence à devenir un peu grave là, mais c'est pas grave. Ok. Oh putain, c'est le truc qui tombe. Oh, je savais que c'était une plateforme qui tombait. Je le sentais venir, les plateformes qui tombaient là. Là, je sentais venir le coup des plateformes qui tombent. Là, esquive. Je m'en bats les couilles. Ok, j'ai un PV. Non, il a tapé le mur. Ça me rend fou. Hop là. Ouh, il a tapé le mur. Ouh, il a tapé le sol. Pardon, excuse-moi. Non mais là, on rush. Parce que là, j'ai plus le temps. Ça me saoule. Hop. Voilà, c'est comme ça qu'on fait quand on a du talent. Blablabla. Allez, on descend. On s'en bat les couilles. Ok. Hop. Wow, ta mère. Hop, ta mère. Ouais, ça passe. Wow, sa mère. Wow. Oh, il m'a tué. Mais non, mais putain, c'est tellement dur. Son papy, là. C'est le rush. Ouais, c'est le rush. Oh putain, il est tombé dans le... Mais quoi?
caillou de mes couilles. Maintenant bon. Ok, ça les a ça leur a rien fait du tout. On saute par-dessus. C'est bon, ça passe. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ouais, tout va bien. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Tranquille. Ok, c'est bon. Ça commence à devenir un peu grave, mais c'est pas grave. Oui, j'ai peut-être dit ça, effectivement. C'est possible. Je commence à m'inquiéter pour Grota. Oh mon chouchou, tes muscles saillants me font frémir. Lâchez-moi, je suis pas votre chouchou. Le pauvre, il va se faire violer quoi. Ah bah le va. Oh, des gens sont venus me voler mon chouchou. Mais jamais ils n'arriveront jusqu'à moi. En fait c'est Gollum, c'est son chouchou, c'est le précieux. Et oui, vous aviez tous remarqué parce que vous êtes trop fort. On dirait que Grota a besoin de notre aide. Ah putain ça y est. Ah mais... trop bien, c'est le niveau. D'accord. Donc c'est une sorte de Gollum, mais avec avec Kong. Kong qui est en fait le premier jeu avec Mario, qui n'était pas le héros en fait. Enfin si, mais pas l'élément principal du bordel quoi. Et oui, vous le saviez tous, que vous êtes tous trop férus de jeux vidéo. Que tous les trucs bornes d'arcade et tout ça, c'est votre vie en fait. Vous connaissez tous. Vous êtes jeunes. Oh, nique ta ça, nique ta sœur, j'allais dire. Et voilà, et là on a gagné normalement. Ah mon chouchou, il tient à toi tes amis. Et moi aussi, personne ne pourra nous séparer. Ah le bâtard. Ah oui, là c'est un peu plus vénère là. Donc là, franchement j'avance en mode random hein. Ah oui d'accord, donc en fait je dois le frapper ou je dois monter là-haut? Non, je dois le frapper, non. Jumpman, pas Mario. Oui, effectivement, c'est pas Mario. C'est vrai, tu as raison. Mais bon, tout le monde s'accorde à dire qu'en fait c'est Mario. Arrêtez. Faites pas aller, hein. Tiens, je te gèle. Ouais, tu en bats les couilles, mais c'est pas grave. Ça va être compliqué, je sens. Parce qu'en fait, là, je suis en train juste de spammer comme un débile, mais je fais pas gaffe à... Je pense que elle sera plus efficace dans son pouvoir. Je sais pas du tout si ça lui a fait des dégâts ou quoi. Il est tout là-haut. Franchement, je sens que ça va être encore un boss où on va galérer pendant des heures. On va pas réussir et ça va être horrible. Mais ta sœur là! Ah, ça lui fait des dégâts. Un cœur! Non, il y avait un cœur, je suis mort sur un cœur! Je suis mort sur un cœur, il y en a un qui drop! Oh, le non-respect du jeu qui fait drop un cœur sur mon cadavre! Putain, j'y crois pas. C'était tellement méchant de la part des gens de faire ça, quoi. Les mecs sont des gros bâtards. What the fuck? Ok, je l'ai pas touché. Ouais, ouais, meurs. Prends ça dans tes dents, hein. Ah oui, 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 hein. Ah oui, 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 oui. Oh putain, il sautait au-dessus. C'est cool. Va crever! C'est pas ton chouchou, c'est bon. Oh, il y a des cœurs partout. Non! Là, je l'ai touché, mais ça a rien fait. Je me sens un peu. Ok, 14. Ok, 7. Ok, je vais die. Non! Non! Non, je veux pas rester coincé sur ce boss pendant des heures. Je veux pouvoir réussir, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. J'ai des enfants qui sont en bas âge. Il y a de l'ail. Non, ça sert à rien. La meuf, là, son pouvoir sert à rien. Ou alors, j'utilise tout le temps au même moment, mais... Putain, mais... Je peux arrêter de prendre des coups? Je peux arrêter de prendre des coups? Tellement d'argent sa mère. Non, arrête de me suivre. Je me fais bolosser par le caillou. Je me fais bolosser par un caillou, putain.
Un caillou! Le truc, c'est un caillou. Et une bolosse. Stop, bolosse, c'est moi! Putain, j'ai trop d'utilisation dans le vide. Le cœur en bas, le cœur en bas, le cœur en bas. Ouais, ouais, on est bien là. Ok. Oh, y'a un cœur en haut. Y'a un cœur en haut sur le méchant. Putain, mais lâchez-moi les fesses! Évidemment, le cœur il a disparu. Voilà, là, il va sauter, il va me sauter dessus. Un! Ok, ça a rien fait. Le cœur. Il me reste 9 PV là actuellement. Je sais pas comment les cœurs drop en fait. Je comprends pas. Il y en a un qui drop en bas pour de manière bizarre, mais c'est pas grave. 9 PV, tranquille, tout va bien. 2 PV, tout va bien. Ok, l'autre elle a fait son pouvoir à la zub. Ok, bon, là c'est mort. Hein. Là, à part me faire frapper, j'ai rien fait en fait. Voilà, bon, bref. Ton attaque, on dirait un Kamehameha végétal. Ouais. Alors. Sinon, ça va bien, la picole. Mais putain, mais va. En fait, je suis pas obligé de l'attaquer une face comme ça. Hein. En vrai. Juste celui de me mettre tranquillou là, là. Juste un peu en dessous. Mais putain, les plateformes de mes couilles. Oh. En fait, si je me mets là, ça passe. Hein. Aïe. Putain de sa mère. Putain, les plateformes. Putain, ces plateformes qui montent. Oh, ces plateformes qui montent. Allez, dis-moi que je vais l'avoir. S'il te plaît, le jeu. Là, c'est le stress total, là, parce que là, il a plus de PV, j'ai plus de PV, on a plus de PV. Oh, sa mère. Oh. Non, 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 non. Le jeu considère que je suis mort quand même si je l'ai tué. Oh, putain, ce jeu. Putain, ce jeu me rend fou. Ce jeu va me rendre fou. J'en peux plus. Pourquoi est-ce que je joue à ce truc? Mais je l'ai tué, il est mort. Je me suis pris une stalactite juste après. Là, sa mère la pute de stalactite de mes couilles. Oh, les plateformes qui montent. Je me prends des stalactites. C'est trop marrant. Putain, et mon attaque sert à rien. Ma grosse attaque, elle sert à rien. Ça sert à rien. Rien qui sert à rien. Je vais devenir fou. En fait, j'attends qu'il descende. Et quand il descend, en fait, il remonte. Et quand il remonte, en fait, il descend. Et putain, de cette plateforme de mes couilles qui m'emmène toujours là où je veux pas qu'elle m'amène. Bordel de cul. Ah, je suis encore, glissé. Oh putain. Ok, là ça passe bien là. Là on est bien là, là on est yimbe. On est yimbe là, y'a plus qu'à spammer. Ok, j'ai 16 PV, 9 PV. Tranquille. Non mais on va pas encore rester coincé à un boss, je vous jure. On va pas encore rester coincé à un boss. Je vous jure que non, c'est non. Franchement, c'est non. On ne restera pas encore coincé à un boss. Je vous le dis, je vous l'affirme. On ne restera pas encore coincé à un putain de boss. On va réussir. On va battre ce gros bâtard. On va lui mettre dans la moule. On va arrêter de se faire blesser par des cailloux. Ok, là je lui ai mis dans la gueule. Oula, je t'ai mis dans la gueule là. Putain, je me prends quand il saute là. Très bien. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu, sa mère. Oui, oui, mon gars, 8 PV. Je t'ai eu. Allez, bim, 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 bim. Ah.
J'adore mon travail. C'est pas mon travail. Mais j'aime bien quand même. Je reprends de la vie, hein. On m'aura pas deux fois. Je reprends de la vie. D'ici là que je meurs, même si le boss a été tué, hein. 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 Bon. Merci. À tous les trois. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Bah, tu te serais fait violer, mon gars. Qu'est-ce que tu racontes, Grota? Tu aurais fait exactement la même chose pour ma vie, débilos, ou moi, n'est-ce pas? Je suis bien contente qu'on t'ait délivré de ce troll vicieux, avec son masque et son gourdin. Brrr. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il t'aurait fait si on n'était pas intervenu. N'en parlons plus, je préfère. Aucun problème, j'ai déjà tout oublié. Ma bite, cette échelle devrait nous permettre de sortir des cavernes. Je pense que l'on peut considérer que ce stage d'initiation comme terminé. Chouette! On va pouvoir participer au tournoi. Putain, je la déteste. Il a glissé de l'échelle, il meurt de chute. Ah non, mais ce serait horrible. Franchement, ça aurait fait ça, j'aurais jeté mon ordinateur. Mais vraiment, tu sais, j'aurais pris la tour et je l'aurais jeté loin. J'aurais... Ou tiens, non. Aucun respect, rien du tout. J'aurais juste tout cassé, quoi. J'aurais enlevé les disques durs. Non, mais là, je m'en fous. Là, voilà, je suis dans un stade où j'en aurais plus rien à foutre. Là, je passe. Voilà. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. D'où il y avait quoi à droite, là? Il y avait des trucs intéressants, là, ici, ou pas? C'était de la dôme. Non, parce que ça va, on peut explorer un peu aussi, hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je sens venir le moment où la glace qui nous entoure disparaîtra. Alors je serai à nouveau perdu sous les flots. Ah mais c'est ce truc là! Jusqu'à ce que je m'éveille à nouveau. Toi qui recherches le pouvoir sacré de la glace, je vois que tu es éveillé. Mais m'as-tu apporté ce que je demandais? Putain mais toi aussi t'es comme ça? Tiens, prends de la mana. Putain mais en fait c'est pareil que l'autre truc là. La glace, le vent, tout ça, c'est pareil que le truc. Ça t'aurait fait un tour empoli de la tour. Tu veux du feu? Ah mais c'est pareil en fait, ça c'est pareil que l'autre. Bref. Je ne sais pas, pour l'instant ça sert à rien. On s'en fout. Et vous aussi je m'en fous. J'ai tellement de thunes, sa mère. Non mais sérieusement, quoi. C'est un truc de ouf. Est-ce que ça a sauvegardé? Notre chef se prépare pour le tournoi annuel. Ah oui, non mais c'est bon. Qui je dois aller voir maintenant? Bonjour, vous voulez vous inscrire au tournoi Wiking annuel? Oui. Vous voulez connaître les règles du tournoi? Oui. Que voulez-vous savoir? Le déroulement du tournoi. Le tournoi se déroule sous forme de combat singulier. Vous devez vaincre six guerriers en duel avant de pouvoir affronter notre chef. Le premier qui vaincra le chef l'emportera de pli. Cette année, c'est un truc ancien qu'on a trouvé en creusant le tunnel. Que voulez-vous savoir? Ouais, c'est bon. Oh, c'est le signal! Le tournoi a commencé. Bonne chance et surtout, bon courage. Ok. Bon, moi je propose qu'on voit ça la semaine prochaine. Ok, j'ai 6 guerriers à affronter. Donc on verra ça la prochaine fois. J'espère que ça se passera bien. Merci à vous d'avoir suivi cette aventure. YouTube, au revoir. Hein. C'était bien, super. On n'a pas ragé du tout. Tout s'est bien passé. Au revoir. À la prochaine fois.